Matthieu chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, C'est Jean Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait fait lier et mettre en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait, Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme, il voulait le faire mourir. Mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Alléluia. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode. De sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. On voit, Seigneur, que le diable, comme un lion rugissant, Seigneur, il attend le moment favorable pour voir, lorsqu'il pourra dévorer. Alors, euh, par ta grâce, donne-nous de toujours, Seigneur mon Dieu, marcher au large, Seigneur mon Dieu, serrer ta parole contre notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi, comme il est écrit dans le psaume 119. Car le diable, Seigneur, jamais ne prend de repos à notre égard. Comme toi, tu ne prends jamais de repos. Permets-nous par ta grâce d'être vigilant et persévérant, Seigneur, à bien faire. A toi soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donna. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, la portait à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir. Et ils allèrent à l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Seigneur, tu nous montres. Dans ta parole Seigneur mon Dieu que dans la prédication de l'évangile il peut y avoir la persécution et même la mort Seigneur mon Dieu mais tu nous fais comprendre aussi Seigneur mon Dieu que le plus important eh bien c'est la vie éternelle c'est ne pas mourir de la seconde mort à toi soit la gloire père amen quand il sortit de la barque il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades de toujours avoir compassion, Seigneur mon Dieu, pour cette foule qui ne te connaît pas, Seigneur mon Dieu, pour cette foule, Seigneur mon Dieu, qui a besoin d'être guérie par toi, convertie et sauvée. Amen. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Seigneur, -nous de nous donner, Seigneur mon Dieu, ta parole, Seigneur mon Dieu, qui est une nourriture, à toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu, cette grande foule, afin qu'ils puissent être nourris de ta parole, Seigneur mon Dieu, et que ceux qui croiront puissent être sauvés. Amen. Mais il lui dit, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qu'ils distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent à rassasiés, et l'on emporta douze paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants. Aussitôt après il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer, avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui envoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. De nous de savoir nous retirer, passer du temps dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus, c'est là qu'est notre force. Amen. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, C'est un fantôme Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, Rassurez-vous C'est moi, n'ayez pas peur Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus, gloire à Dieu. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Gloire à Dieu.